Bonjour tout le monde, on est en train de... Il y a d'autres gens qui se joignent à nous. On va juste attendre un petit peu. On va accepter tout le monde. Bonjour. On connaît des visages ce soir. Okay. Bonjour Charles. On va commencer cet épisode-là du... C'est le date qu'on est. On est le jeudi... Aide-moi, 18, aide-moi Daniel. 18. 18. OK, jeudi. Aujourd'hui, 18 juin. Écoute, d'habitude, c'est toi qui dis ça, François. Dis-moi pas que tu ne te rappelles pas la date. J'ai pris assez de café aujourd'hui. Le 18 juin, François. On est le 18 juin. Fait que, bienvenue au jeudi de la photographie, édition du jeudi 18 juin. Notre invité ce soir va être Robert Hébert. Avant de commencer, je veux juste vous dire quelques trucs. Là, à chaque fois que quelqu'un se log, je vais vous demander de vous muter, s'il vous plaît. Puis, si vous avez des questions, ben, vous allez pouvoir les poser quand vous voulez. Mais je vais juste vous demander de vous de muter là, votre micro là, pendant les discussions et tout ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou vous pouvez poser vos questions par chat. L'autre truc que je voulais vous dire, c'est que l'émission est enregistrée. Alors, ça va être diffusé plus tard là, sur YouTube. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire ce soir. Aussi, je veux juste rajouter un petit commentaire parce que dernièrement, sur Zoom, des fois, il y a des petits comiques qui se connectent et peuvent commencer à mettre des niaiseries. Ça a été un phénomène observé là, sur Zoom ces derniers jours. Alors, si jamais ça arrive, ben, je vous avertis, j'arrête l'épisode tout de suite. Puis, on va continuer. On va se reloguer pour recommencer. Je vous dis ça parce que dernièrement, sur Zoom, là, il y a du monde qui se connecte et ils vont diffuser des choses non appropriées, mettons. C'est la curiosité, François, je ne savais pas ça d'avance. Ouais, non, mais. Il va falloir que tu me racontes après ce que c'est en espérant. Ben, c'est une inquiétude là, que j'ai dernièrement parce qu'il y a eu plusieurs live streams sur Zoom. Puis il y a du monde qui se connecte sur d'autres noms ou whatever, puis ils commencent à diffuser des messages racistes ou pornographiques ou des trucs. Ouais. Fait que, malheureusement, il y a des épais partout sur la planète. Puis moi, ben, j'ai un piton rouge. Fait que si je vois qu'il y a quelque chose de pas approprié qui apparaît, je vous avertis. C'est pas moi. C'est pas Daniel. OK, on a d'autres mondes qui se joignent. Daniel, comment ça va? T'as passé une bonne semaine? Oui, j'ai passé une excellente semaine, François. Et toi? Pas pire. Toujours confiné avec mes amis les marmottes. Oui. Mais moi, toujours en pleine nature montréalaise, yeah. En pleine nature urbaine. Alors, c'est une réalité un peu différente. Fait que, puis avec, faut admettre un soleil qui est omniprésent, qui fait du bien là, après ouais. les derniers mois qu'on a vécu. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Fait que tu vas commencer à nous parler de quelque chose. Après ça, on va passer avec notre ami Gaétan. Tu vas nous parler d'un autre truc. Fait que de quoi nous parles-tu, mon cher ami Daniel? Bien, ça me fait un peu sourire aujourd'hui, compte tenu qu'on a Robert Hébert qui est là. Puis, généralement, je présente un livre. J'ai même pensé présenter autre chose, une pièce de matériel ou quelque chose comme ça. Puis, mais finalement, je suis revenu quand même à la présentation d'un livre, mais qui n'a pas été édité aux éditions Cayenne, mais qui a été qui est dans les faits un catalogue d'exposition qui est de Martin Frank. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Martin Frank est une photographe de Magnum qui était également la conjointe d'Henri Cartier-Bresson. Et c'est un livre que j'apprécie vraiment beaucoup parce qu'il y a quelque chose dans cette approche photographique-là qui est typiquement féminin et en même temps tout l'héritage de la photographie humaniste comme tel. Alors, Martin Frank, oui, c'est un photographe de reportage, mais qui a fait un travail personnel qui est réellement intéressant. Et d'un jour ou l'autre, regroupe probablement plusieurs photographies qu'elle a réalisées, mais qui étaient un peu en marge des photographies pour lesquelles elle était nécessairement en assignation. Travaille essentiellement en noir et blanc, bien sûr. Travaille toujours avec un appareil 24 par 36 mm.
Bien sûr, on imagine que ça aurait fait peut-être un divorce avec Henri Cartier-Bresson si elle avait joué à autre chose. Et elle a fait l'objet d'une exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson il y a quelle année, je peux pas me tromper. Pour les dates, écoutez, je ne suis pas très bon, j'ai de la misère à retenir ma date de fête. Alors, c'est un livre à voir, pas toujours facile à obtenir présentement. J'ai vérifié un peu aujourd'hui sur Internet pour les gens qui pourraient être tentés de le commander. On sait très bien que ça devient difficile actuellement d'obtenir des livres de photographie intéressants dans les librairies qui ont pignon sur rue à Montréal. C'est toujours une très petite section. Alors, mais le livre, bien sûr, doit être disponible, je le répète à toutes les semaines, à la Bibliothèque et Archives nationales. Alors, à avoir dans votre bibliothèque, quoi, tout le moins, à emprunter, comme tel. Et voilà. Excellent, excellent. D'ailleurs, Martine Franck a eu une belle histoire d'amour avec Henri Cartier-Bresson. Qui a duré de très nombreuses années, jusqu'au décès d'Henri Cartier-Bresson dans les faits. Alors, et malgré une différence d'âge importante, là, parce que je crois qu'on parle de 25-30 ans de différence d'âge entre les deux. Ouais. C'était beaucoup. C'est beaucoup. Monsieur Gaétan, merci Daniel. Toujours intéressant les livres que tu nous présentes. Monsieur Daniel, ça va bien? Monsieur Daniel, il va bien, oui. Monsieur Gaétan, excusez-moi. Ça va être une semaine difficile, François. Moi, là, j'ai travaillé au soleil toute la journée. Là. Le soleil m'a tapé sa tête. Là. Ah oui, oui, il tapait aujourd'hui. Moi, je suis sorti faire du sténapé 4x5 tantôt au stade olympique. Là. Puis tabarnouche, il faisait chaud en tabarouette. Ah, moi, là, je ne suis plus capable. Là. Je suis tout mélangé. Là. C'est comme ça. Monsieur Gaétan Cormier, comment allez-vous? Ben, ça va super bien. Il fait beau, fait qu'on aime ça. Ouais. Écoute, moi aujourd'hui, j'ai deux petites choses. J'ai une nouvelle puis une petite présentation très courte. La bonne nouvelle du jour, c'est que, évidemment, avec la situation covidienne qui prend un peu de slack un peu partout à travers la planète, notamment en Angleterre, on a appris aujourd'hui que Ilford repartait les machines. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, surtout en Europe, il y a plusieurs fournisseurs qui commençaient à manquer de pellicules, notamment de la HP5, qui est une pellicule très populaire chez Ilford. Donc, Ilford ont reparti les machines cette semaine. Donc, ça, c'est très, très bien. Et deuxième petite chose, en parlant de Ilford, bien, premièrement, peut-être certains d'entre vous le connaissez déjà, mais il y a une revue qui s'appelle Photo News, qui est une revue canadienne qui est entièrement gratuite, souvent distribuée dans les magasins photo. Sinon, vous pouvez même vous abonner pour la recevoir par la poste. Bon, c'est une revue qui, bon, évidemment, on parle de photographie là-dedans. On parle beaucoup de matériel parce que c'est une revue qui est édité, si on veut, par Amplis. Amplis, qui est un des gros distributeurs de matériel photographique, notamment les objectifs Tamron, ils font Olympus, ils font Ilford aussi. Donc, c'est sûr que, bon, c'est très axé matériel, mais il y a quand même des articles de fond intéressants. Et il m'avait demandé, pour le numéro de printemps 2020 que vous voyez à l'écran présentement, il m'avait demandé de faire une évaluation de la nouvelle pellicule Ilford Ortho 80. Donc, la ortho, c'est un film qui est orthochromatique. Donc, c'est un film qui n'est pas sensible au rouge. Il est sensible seulement au bleu et au vert. Ce qui fait en sorte que, même quand on la développe, on peut même la développer sous lumière inactinique rouge sans aucun problème. Ce qui n'est pas le cas de la grande majorité des films panchromatiques. Donc, pour quelqu'un qui a peut-être un peu de misère au début de mettre du film en spire et tout, ça peut être une option intéressante de pouvoir travailler sous une lumière rouge. Et c'est un film qui a un grain extrêmement fin. La particularité d'avoir un grain fin, bon, évidemment, pour souvent les gens peut-être qui font une transition du numérique à l'argentique, puis qui n'aiment peut-être pas nécessairement avoir du grain dans leur image, bien, c'est une option intéressante. Donc, avec un ISO de 80 seulement, le grain est extrêmement fin. Et la particularité aussi, c'est que c'est un film qui se scanne très bien. Il y a des films qui scannent moins bien que d'autres. Celui-là, au scanner, ça ressort vraiment très, très bien. Très sharp comme film. Belle gamme de gris aussi.
un peu plus dur de faire sortir du détail au niveau du ciel. T'sais, avec un film panchromatique, on peut utiliser des filtres pour faire, mettons, ressortir les nuages avec le fond de ciel et tout. Lui, c'est un petit peu plus difficile. Et où ce que j'ai resté le plus surpris, c'est justement en session de portrait. Je trouve que c'est un film qui est vraiment excellent pour faire du portrait. Pour faire un peu de tout, mais pour du portrait, c'est pour lequel je l'ai aimé particulièrement beaucoup. Donc, voilà! Question Gaétan, parce que je regardais les diapositives que tu as présentées, puis je voyais que sur le rouleau de 120 qui était photographié, c'était inscrit ISO 400, ISO 40. Non, c'est du 80. Puis c'est quand même écrit 40 dessus? Non. Sur la, peux-tu la repasser, François? On va se poser. Ça a toujours été du ISO 80. Bien, c'est ce que je pensais. Là, tu me fais peur parce que j'en ai un dans un appareil actuellement. Mais juste voir le rouleau comme tel. Ouais, non, c'est ISO 80, j'en ai un, moi. Puis... Ouais, peux-tu reculer, s'il te plaît? ISO 80. Okay, merci beaucoup. Si on regarde sur le côté là, de la boîte. Oui, ici, ah oui, excuse. Ben, c'est ISO 80 en lumière du jour et si tu shoots okay, en tungstène, c'est en 40, effectivement. Merci moi, j'ai toujours shooté en 80, effectivement. Ça, c'est ce qui arrive. C'est un réflexe que j'avais développé à l'université de lire en diagonale et de ne pas lire le détail. Le okay, j'ai une question à te poser. Tu parlais de scanner. Toi, tu scannes. J'aimerais ça que tu nous parles de ça un jour, qu'on fasse une technique sur scanning. Moi, je scanne beaucoup mes films. Oui, ben, moi, je scanne avec un scanner à négatif. Donc, j'ai un Epson V500. OK. Bon, ben moi, je suis meilleur que toi. J'ai le V600, là, mais en tout cas. Mais, OK, non, mais c'est ça. C'est un scanner que la plupart des gens utilisent pour scanner des films. Mais ça serait le fun de faire un... Oh, on pourrait faire un topo là-dessus. La semaine prochaine, je vais vous parler des différents formats de pellicules argentiques. Puis, peut-être la semaine d'après, on pourrait parler de numérisation pour en bon français. Excellent, excellent. Alors, vas-y, Daniel, cette semaine, on a une invitée spatiale. Oui, bien, tous nos invités sont assez spéciaux dans les faits, fait qu'on a décidé de continuer la tradition. Alors, cette semaine, on a Robert Hébert qui s'occupe, qui a fondé les éditions Cayenne, l'édition des photographiques. Et Robert, qui est un ami depuis, une trentaine d'années. Alors, à l'époque, j'avais un peu moins de cheveux blancs, mais j'en avais quand même, je précise. Et je dirais rien pour Robert. Et puis, Robert, ben, c'est bien sûr un photographe. C'est aussi un amoureux de la photographie, comme bien les photographes. Mais c'est également un grand amoureux des photographes aussi. Et ça, on le voit un petit peu moins souvent. Donc, quelqu'un qui jette un regard là, beaucoup plus large sur les photographes qui sont autour de lui et qui regarde leur travail définitivement avec passion. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, Robert, pour venir nous parler un peu de la réalité de l'édition photographique. Bonsoir, Robert. Salut. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Je vais te laisser te présenter un peu. Je te laisse te présenter, je te laisse libre. Si je ne suis pas content, je te ramène. OK. Ça fait quelques années que je suis dans le domaine de la photo. Je pourrais commencer par dire que c'est de la faute à ma mère. Ma mère, c'était la Kid Kodak. Puis là, elle m'a comme donné le goût de prendre des photos. Ensuite, j'étais, comme beaucoup de jeunes, dans un club de photo. Et là, dans ce club-là, il y en avait un qui était pas mal débrouillard. Puis lui, tu sais, on avait quoi, 14 ans. On développait nos films, tout ça. Puis lui, il dit, ça serait une bonne idée de faire de l'argent avec de la photo. Fait que là, on a commencé à faire des contrats. Dans la paroisse, il y avait toujours des petits spectacles. Il y avait les scouts, il y avait les mariages. Fait qu'on... Pendant quelques années, j'ai tout fait ça. Et évidemment, les mariages, il faut vraiment avoir la vocation. Donc, ça n'a pas duré longtemps, ce bout-là. Puis tout d'un coup, j'ai découvert l'Association montréalaise du loisir photographique, l'AMLP,
qui était associé avec la ville de Montréal. Là, je suis embarqué là-dedans pendant 3 ans. Puis là, à un moment donné, j'ai voulu donner une impulsion plus photographique, plus générale. Et là, on a changé le nom pour l'Association photographique de Montréal. Si tu me permets, Robert, c'est la période à laquelle moi, je t'ai connu, à l'Association photographique de Montréal, où est-ce que vous organisiez différentes activités, des expositions, des mini-conférences. Vous aviez mis en place tout un système aussi qui permettait aux gens d'emprunter des cadres pour pouvoir faire des expositions, parce qu'on sait qu'exposer, pour ceux qui l'ont fait, tout le monde sait qu'il y a des coûts qui sont assez importants liés à ça. Puis là, en disant ça, je vous regarde un peu, là, puis je vois quelques visages avec des sourires qui disent « Ouais, tu as pas mal raison, Daniel. » Alors, c'est tout ça qui avait été mis en place pour pouvoir faciliter là, la discussion. Exactement. Donc, avec l'association même, vu qu'on était lié avec la ville de Montréal, on a pu imprimer des cartons d'invitation, des affiches, la location des cadres et l'organisation des expositions. On a même pu faire des projets qui étaient assez importants. Là, je vous montre un carton d'invitation de Alfred Eisenstadt, qui était une exposition qu'on avait réalisée avec la ville de Montréal, la bibliothèque. C'était la Maison de la culture Mercier et c'était Live 150 ans de photographie. Ça, c'était en 90. Donc, on a pu faire des projets quand même assez importants. Si je recule un an, en 89, on a pu participer au premier mois de la photo avec plusieurs expositions, dont Annie Leibovitz, la première exposition d'Annie Leibovitz à Montréal, à la Maison de la culture Marie-Huguet. C'était organisé par l'APM. On a eu aussi Contact Press Images avec le directeur qui était venu, Robert Pledge, qui était venu à Montréal donner une conférence en français. Et on avait fait venir une photographe italienne. Donc, toutes sortes de projets comme ça. Ça a duré quelques années encore. Puis, la Ville de Montréal a décidé que ça lui coûtait trop d'argent, la récession, tout ça. Donc, ils ont coupé les fonds et c'est ce qui a terminé l'aventure de l'Association photographique de Montréal. Mais pendant ce temps-là, j'étais aussi impliqué avec la bibliothèque Eleanor London à Côte-Saint-Luc. Et c'est grâce à une exposition de l'APM qu'on avait organisée avec le Conseil des arts de Montréal, un genre de mission photographique. C'est grâce à cette exposition-là qu'on avait présentée à la bibliothèque que Mme Eleanor London m'a contacté. Elle m'a dit « Robert, ça te tenterait-tu de venir monter des expos chez nous? » Ben, je dis « Pourquoi pas? » Et l'aventure a duré 15 ans. Cette aventure-là m'a amené à cofonder la galerie Mistral dans le Belgo. C'était une des... pas la première, parce qu'il y a eu, la galerie Yajima, il y a eu la galerie... il y a eu la galerie, plusieurs galeries de photos avant celle-là, mais la galerie Mistral a eu son importance pendant 3 ans. Puis là, à un moment donné, dans toute cette période-là, je m'apercevais qu'il me manquait du bagage intellectuel, si on peut dire. Puis je ne voulais pas me faire écœurer par d'autres personnes. Donc, j'ai décidé, après 14 ans, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise en études des arts à l'UQAM. S'en est suivi une deuxième maîtrise au HEC en gestion des organismes culturels et s'en est suivi une troisième maîtrise en édition à l'Université de Sherbrooke. Et c'est cette dernière maîtrise ou certificat de maîtrise qui m'a amené aux éditions Cayenne. Est-ce qu'on peut dire, Robert, que tu as pris le temps peut-être... J'ai pas envie de dire sur le tard, mais une fois rendu à l'âge adulte, tu as choisi d'aller vraiment ce qu'on dit. On parle souvent d'user les bancs d'école, c'est ce que tu as fait. Oui, je les ai pas mal usés. J'ai usé quelques-uns avec ce que tu nous racontes. Je l'ai fait à temps partiel, donc j'ai été une quinzaine d'années sur les bancs d'école
à faire un cours à la fois. Donc, je me suis bien amusé. Toujours avec intérêt? Oui. Toujours avec intérêt, toujours avec passion aussi, j'imagine. J'ai toujours été un grand curieux. Puis dans tout ça, là, il y a évidemment eu une partie qui n'est pas plate, mais qui est comme quelque chose d'inachevé. C'était la création d'un musée de la photo à Montréal. Parce que mon but avec l'Association photographique de Montréal, ça a toujours été la création d'un musée de la photo à Montréal. Et ça, il y a eu le projet à la Maison Nauttmann. Il y a eu deux projets à la Maison Nauttmann, donc un qui était assez intéressant, mais quand on a su que les coûts de rénovation puis d'implantation du musée étaient de 25 millions, bien, les gens qui nous appuyaient nous ont dit « Ah, pas une bonne idée ». Donc ensuite, on a fait un autre projet dans le Vieux-Montréal avec André Cornelier à la tête du projet. Et là, dans les semaines qui allaient concrétiser le projet, le gouvernement conservateur de Stephen Harper est rentré au pouvoir. Et le projet, on avait un projet de 15 millions sur la table qui était financé par le Vieux-Port de Montréal et qui manquait juste une signature pour démarrer le projet. Et quand Harper est rentré, il a tout annulé. Ensuite, on a reparti un projet qui était au 222 Saint-Laurent-Sainte-Catherine et Artex, la galerie Vox. Et on devait être là. Le bâtiment devait avoir 3 étages de plus. Et quand on a commencé à négocier avec les gens qui concevaient le projet, on avait un prix à 8 $ le pied carré. Et quand est venu le temps de signer, là, ils nous ont dit « Ah, bien, ça l'a augmenté un peu. On est rendu à 25 $ du pied carré. » Donc, 30 000 pieds carrés, sans financement, ce n'était pas une bonne idée. Ensuite, il y a eu d'autres projets qui ont essayé de voir le jour avec UMA, la Maison d'Images et de la Photographie, et qui ne se sont pas concrétisés. Mais ça, c'est la vie. Mais le rêve inachevé, pour moi, c'est ça, qu'il y ait un lieu de ce type-là à Montréal. Il y a un autre groupe qui a essayé de partir un projet qui n'a pas fonctionné non plus. Donc, puis dans ce sens-ci, ce n'est pas trop le temps de partir des projets. Là, mais... Robert, est-ce que je te pose une question. Est-ce que tu considères qu'il s'agit d'un rêve inachevé ou d'un rêve éteint aujourd'hui? Est-ce que tu as encore espoir que qu'un jour, on voit naître un musée de la photographie à Montréal? Bien, je pense que c'est un rêve inachevé, mais je n'ai pas l'impression que ça va être moi qui va le concrétiser. Mais on vieillit, on a moins d'énergie pour ça. Tu auras peut-être l'occasion de le visiter si jamais ça se fait. Et évidemment, ça va me faire plaisir. Je m'appellerai pour venir ensemble. Mais une partie du rêve, c'était de monter une collection de livres sur la photographie, de monter un centre de documentation. Et tout cet aspect-là du projet est toujours vivant. Je pense qu'on en voit une partie derrière toi, si je ne me trompe pas. Une très petite partie. Une très petite partie. Robert, je sais que tu es amoureux du livre photographique et que tu as fondé les éditions Cayenne, ce n'est pas pour rien. Est-ce que tu peux me dire combien tu as de livres de photographie? Combien tu possèdes chez toi? Parce que j'ai une idée un peu, tu m'as déjà donné des chiffres, je ne me rappelle pas ce que c'est. Mais je me rappelle que je trouvais que je n'avais pas grand-chose. Je dois avoir à peu près 3000 livres de photos, dont là-dedans 1000 livres sur la photographie québécoise, puis à peu près 2500 revues sur la photo. Sur l'image que vous voyez, c'était ma rencontre avec Jean Lagacé, le regretté Jean Lagacé, qui était un médecin photographe. Et là, on positionnait les photos pour l'agencement dans le livre qui était Jean Lagacé, Essai photographique, un de mes premiers livres. Là. Donc, ça, c'est intéressant. Mais oui, j'ai toujours cet amour du livre photographique. C'est pour ça que j'ai fait la maîtrise en études des arts.
Ça, c'était ce qu'on vous montre à l'écran. C'est quand j'ai travaillé à la bibliothèque Eleanor London, mon mandat, c'était de faire des expositions de photographie. Et j'ai fait 95 expos en 15 ans. Et j'aimais aussi la variété. C'était une bibliothèque anglophone juive, mais on me donnait carte blanche. Donc, mon mandat que je m'étais donné, c'est de présenter de la photographie noir et blanc, de la photographie couleur, d'avoir des photographes francophones, allophones et anglophones. Comme ça, Jill Greenberg, c'est une des dernières expos que j'ai montées. C'était assez fantastique de travailler avec elle. Et c'est une ancienne Montréalaise qui est maintenant établie à Los Angeles. J'ai toujours essayé de travailler avec le plus de gens que je pouvais. Et s'il y avait une connexion avec Montréal, c'était encore mieux. Évidemment, j'ai pu obtenir Claire. Là, je m'aperçois, c'est bizarre, hein? Je ne vous ai pas donné le bon carton. Parce que elle ne s'appelle pas Claire Beauregard Champagne, mais oui, Claire Beaugrand Champagne. Est-ce qu'on aurait affaire ici à une réalité des erreurs de l'édition photographique parfois? Bien, le carton a été refait et je ne sais pas pourquoi celui-là m'est tombé sous la main. C'est pas le bon. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est que j'ai pu donner une présence à des femmes photographes aussi. Ça aussi, c'est important pour moi, dès le début, qu'il y ait une certaine parité, qu'on voit ce que les femmes photographes avaient à dire. Donc, ça, c'était important pour moi. Donc, je voulais vraiment montrer un panorama de ce qu'était la photographie au Québec à ce moment-là, quand je le faisais. Tu peux changer, François. Et là, on arrive avec le premier livre des éditions Cayenne, publié aux éditions Cayenne, si je ne me trompe pas, qui est un livre de Pierre Dalpé. Exactement. Les éditions Cayenne ont commencé en 2011. Et le premier livre est sorti en 2012, fin 2012. Et ce qu'on vous montre ici, c'est avant d'avoir la couverture finale, il y a eu 3 essais. Et ça, c'est intéressant. Donc, le graphiste, quand on fait un livre, on travaille étroitement avec le graphiste et avec le photographe. C'est vraiment un travail d'équipe. Et si tu peux montrer les autres, François. Donc, on essayait des images, on essayait des couleurs, tout ça. Et si tu peux montrer l'autre. Pour en venir au résultat final. Là, on s'approche du résultat final. Et dans ce livre-là, ce qui est intéressant, cette dame n'a qu'une fille. Mais ça, c'est tout le travail de Pierre Dalpé, de Photoshop, de recréation d'une autre image de soi qui est assez importante et intéressante. C'est une des raisons que j'avais décidé de travailler avec Pierre Dalpé. J'avais déjà travaillé avec lui auparavant parce qu'avec l'Association photographique de Montréal, je m'étais développé comme un créneau d'organisation d'exposition. Au cours de ma carrière, j'ai organisé 232 expos de photos et dont quelques-unes avec Pierre Dalpé. Pierre Dalpé, pour moi, c'était vraiment idéal. Parce que c'est quelqu'un d'hyper consciencieux, quelqu'un qui travaille vraiment bien et quelqu'un de super gentil. Si tu peux montrer la couverture finale. Ça, c'est un autre test et ouais, il devrait en avoir une autre. Finale là-dessus, là. Là, tu vas m'excuser, je n'ai pas la couverture finale. Daniel, tu n'avais pas envoyé les photos à François? Oui, mais il a fallu faire un screening. Mais je vous reviens. Mais sinon, je peux vous la montrer. Parfait. Ah,
François, tu veux-tu la remettre comme... Oui, excusez-moi. Là. Comme j'ai dit, le soleil m'a tapé. Ça a été difficile, François. On l'avait dit tantôt. Mais j'ai mon stock de livres. Là. On devrait être possible. OK, oui, on le voit. Là, ouais. C'est beau. OK. Donc, ça, c'est la couverture finale. Et ce livre-là, pour moi, est très important parce que c'est quelque chose qui représente la photographie. Le format du livre est 8 par 10. Les couleurs choisies, c'était cyan, magenta, jaune. On a travaillé aussi sur les pages où il y avait du texte, mais là, c'est un petit peu difficile. Les pages où il y avait du texte, les chiffres de texte étaient en noir. Et les pages où il y avait des photos, on a mis ça en gris, le numéro de la page. Donc, il y avait toutes sortes de références. Dans le titre même personnel, le graphiste a doublé le O pour montrer le double, parce que tout le processus du livre de Pierre, c'était vraiment de parler de si on n'était pas soi-même, qui est-ce qu'on pourrait être d'autre? Donc, le double. Ça, c'était très intéressant. Donc, il parlait des transgenres, il parlait des gens de théâtre, tout ça. Et les gens m'ont trouvé peut-être un peu fou de commencer l'aventure des éditions Cayenne avec un livre sur les transgenres. Mais moi, je trouvais la qualité des photos tellement bonne que je me suis dit, c'est comme ça, on commence comme ça, puis c'est pas plus grave que ça. Puis il y avait des choses que le graphiste aussi avait trouvées qui étaient intéressantes pour parler du double. Donc, la couverture bleu et noir pour le rabat, et de l'autre côté, c'était noir et bleu. Donc, toute la construction du livre parlait du double. Il y a comme un travail d'équipe, Robert, que je sens dans le cas de ce livre-là, de Pierre Dalpé, où le graphiste a peut-être pris une direction qui ressemblait un peu à l'idée conceptuelle qu'avait le photographe au départ et qu'avait l'éditeur également. Je pense que l'éditeur a suivi le photographe. C'était vraiment un travail d'équipe exceptionnel. Chacun a apporté un bout et pour que le résultat final soit le plus beau possible. C'était les livres, la plupart des livres, pas tous, mais la plupart des livres sont bilingues. On en a même un qui est trilingue. Il y a un photographe, à un moment donné, qui m'a demandé de faire une version chinoise d'un de mes livres, de son livre. Et moi, évidemment, j'étais un peu fou. Fait que là, j'ai dit, c'est sûr qu'on va le faire en chinois aussi. Là. On a réussi à faire ça? Ouais, c'est qui cet imbécile-là? T'as demandé ça. Je pense que ce n'est pas très important, François, le nom du photographe dans ce cas-là. c'est un jeune photographe que moi, je trouvais qu'il avait beaucoup de talent. Hey, t'es gentil, un jeune photographe. et cette photo-là que vous voyez est très importante parce que François, donc on parle de François Nadeau, le photographe, cette photo-là a gagné un grand prix. Et j'avais vu cette photo-là et c'est ça qui me dit, François Nadeau, ça serait quelqu'un d'intéressant à travailler avec. Et à un moment donné, on s'est parlé, puis là, on s'est dit, viens me voir, et on va discuter. Et cette collaboration-là, encore une fois, entre le graphiste, et cette fois-là, le graphiste, c'était mon fils, qui a un certain talent pour le graphiste, j'oserais dire. Et les photos de François, le graphiste, et aussi, il faut rajouter un autre personnage dans ce livre-là, qui est Jules Nadeau, qui n'est pas parent directement avec François, mais qui est un sinologue, un spécialiste de la Chine qui s'est impliqué. Jules Nadeau est un personnage très intéressant aussi, parce que c'était un ami de Robert Fournier. Robert Fournier, c'était aussi, avant son temps, un grand amoureux de la Chine. Et François Nadeau a été un peu dans ses traces 20 ans plus tard, sans trop le savoir, j'imagine. Et donc,
Jules a fait cette connexion-là avec la Chine, avec François Nadeau, tout ça. C'était une belle histoire. Juste la traduction en chinois de ce livre-là, c'était toute une aventure. Parce que... Je vais en parler un petit peu, Robert, parce que... Oui. Un petit peu l'histoire, parce que moi, ce qui se passait, c'est que j'allais en Chine quelques fois, puis je me disais, c'est niaiseux d'aller en Chine puis de faire des photos, puis de ne pas faire un projet. Tu sais, je voulais vraiment mener un projet à terme. Et c'est là que je t'ai contacté, parce que je t'ai dit, j'aimerais ça faire un livre photo de la Chine. Tu sais. Puis, oui. Puis là, j'ai été mis en contact avec Jules Nadeau, que je ne connaissais pas, mais j'ai été mis en contact par Jean-François Lépine. Jean-François Leblanc. Non, non, moi, j'ai été mis en contact par Jean-François Lépine, qui était okay. le délégué du Québec en Chine, qui me dit, tu devrais contacter Jules Nadeau parce qu'il est vraiment le sinologue connu. Tu sais. Fait que, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec Jules Nadeau. D'ailleurs, je travaille là présentement sur un autre projet avec lui. Puis pour la traduction, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai travaillé avec des partenaires chinois. Hein. J'envoyais le texte là-bas, puis eux autres les traduisaient là-bas pour qu'on ait une version dans les trois langues. Bien, oublie pas qu'on avait fait vérifier le texte à Hong Kong ensuite, puis ensuite qu'on a fait vérifier le texte à Montréal. Ah ouais, ah ouais. Que l'histoire du début était la même que l'histoire à la fin. Exactement, ah ouais. Ouais, on voulait s'assurer que la traduction qui a été faite en Chine soit vraiment conforme à ce qu'on voulait faire. Anyway, c'est ça la grande histoire. Ça. Et ce livre-là, pour respecter l'esprit chinois, c'est le 8e livre que j'ai fait et le livre a 88 pages. Oui, exact. Le chiffre 8 étant un chiffre chanceux en Chine. Ah, là, on a une autre histoire avec un autre photographe intéressant. Daniel, je ne sais pas si tu peux parler de ce photographe-là. Ah, là ça, écoute, je suis un peu comme toi, j'aime bien parler des autres, mais quand c'est un peu. Ouais. Mais l'histoire de ce livre-là est relativement simple. Et on s'est retrouvé un jour dans le cadre de l'exposition, du lancement d'un autre livre qui est autrement photographié. Et je n'avais pas vu Robert depuis quelques années quand même. Puis quand je me suis pointé à l'exposition au moment de prendre le verre de vin d'office, Robert me dit « Daniel, j'aimerais ça qu'on fasse un livre ensemble. » Et c'est là que ça commence. J'avais déjà envie de peut-être répertorier une partie de mon travail de photographie de vue que j'avais fait au fil des années. Et puis l'aventure commence. Je pense qu'un an plus tard, on se retrouvait avec effectivement, un produit final, puis à travers tout le processus de création. Je pense qu'on était rendu à ce moment-là, Robert, au 11e ou 12e livre des éditions Cayenne, si je ne me trompe pas. Oui, quelque chose comme ça, oui. Oui. Fait que là, ça a été le choix des papiers, ça a été tout le processus comme tel. Et la photo d'avant qu'on a vue, c'était, je l'ai sélectionnée pour montrer le processus créatif, encore une fois, des couvertures. Évidemment, ce n'est pas la couverture finale du livre. On va la voir plus tard. Et ce qu'on voit ici, c'est les jaunes... Je vais le faire parce que je n'ai pas la couverture finale. on va la montrer. OK, moi, je suis poche à soir. Là, comme... Ah, François, ça va aller dans les bloopers. C'est autorisé, ça. Merci. C'est trop bon. Donc, ça, c'est la couverture finale. Tout le monde la voit? Oui. Ceux qui ne la voient pas, vous pouvez commander le livre. Exactement. Il en reste quelques copies, dépêchez-vous. Mais c'était quand même une belle aventure. Donc, Daniel savait déjà qu'il voulait avoir du jaune. Et on a commencé à travailler avec ça. Et on a décidé aussi d'avoir une édition limitée. On a fait 25 copies en couverture rigide. Donc, il... Non, Robert, 75 encore en couverture rigide. Mais je n'ai pas sûr, ça. On s'obstinera. C'est pas grave. On s'obstinera. Je vais regarder mes chiffres plus tard, mais de toute façon, il y en avait quelques-unes. Mais ça, c'est une manière
quand on parle de financement, on va parler de financement, ça peut être une des manières pour les artistes de financer leur projet, de faire une édition à couverture rigide et une édition moins chère aussi, à couverture souple. Robert, je te prends au passage, justement. Quand on est intéressé, quelqu'un qui est intéressé à publier un livre de photographie, puis on sait que, bon, la réalité de l'édition n'est pas simple aujourd'hui, de toutes les façons. Certes, on n'est plus dans le processus offset nécessairement. On peut se permettre de publier, d'imprimer des images de façon, des livres de façon numérique avec une qualité qui est de plus en plus importante. Oui. Actuellement, ce qui nous permet des tirages qui sont moins élevés. Alors, on n'est pas obligé de dire, bon, on va sortir un tirage de 2000, 3000 copies du livre, sinon en bas de ça, ça ne vaut pas la peine. C'est un peu la réalité qu'on a vécue longtemps. Hein. Alors, avec le numérique, on a d'autres possibilités, mais comment fonctionne, de quoi vers le marché, puis comment fonctionne le financement d'un livre comme ça? Parce qu'on sait qu'il y a, le photographe est responsable du financement de son ouvrage chez Kayem. Comment ça fonctionne? C'est quoi les options? Bien, de plus en plus, toutes les maisons d'édition fonctionnent à peu près de la même manière. C'est que l'artiste doit financer en totalité ou presque en totalité le montant de son livre. Mais le financement peut venir de différentes manières. Donc, parmi les livres que j'ai faits, il y en a deux qui ont eu des subventions du Conseil des arts et des lettres du Québec. Il y en a d'autres que c'est le photographe qui a financé en totalité ou en grande partie. Il y en a deux artistes qui étaient professeurs et que c'est le syndicat des profs qui a financé le livre. Tandis que d'autres fois, c'est les réseaux sociaux comme La Ruche ou d'autres organismes comme ça qui peuvent financer le livre. Le dernier livre que j'ai publié qui s'appelle... qui s'appelle Blanc. Ça, c'est le dernier livre que j'ai fait. Geneviève Thibault, pendant 2 ans, a documenté les derniers jours des sœurs au monastère des Ursulines. Et maintenant, c'est rendu un musée. Les sœurs ont été déménagées dans une autre résidence. Et le musée des Ursulines a financé une partie du livre. Une autre partie du livre a été financée par les réseaux sociaux. Geneviève a fait une campagne avec les réseaux sociaux et elle a vendu aussi quelques tirages pour compléter le financement. Donc, le financement d'un livre est multiple et ça dépend toujours de la quantité qu'on va imprimer. Comme le livre, on parlait tout à l'heure du livre de Jean Lagacé. Le livre de Jean Lagacé est imprimé en imprimerie traditionnelle. Le livre de Pierre Delpé est imprimé en imprimerie traditionnelle. Le livre de Claude-Philippe Benoît était en traditionnel aussi, en duotone, chez Imprimerie Deschamps. Sinon, on travaille beaucoup, quand on est en numérique, on travaille principalement avec Quadriscan. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, les gens qui pensent faire un livre à compte d'auteur, c'est pas toujours la meilleure des idées parce que une fois qu'on a vendu 25 ou 30 livres à nos amis, mais qu'on a fait imprimer 100, la plupart de ces livres-là vont finir en entrepôt dans la cave ou dans un coin du placard. Parce que vendre des livres de photos, c'est un métier. Vendre des livres, c'est un métier en lui-même. Donc, il faut se bâtir un réseau, tout ça. Et quand on travaille avec une maison d'édition, comme la mienne, moi, je peux obtenir des meilleurs prix chez l'imprimeur. Et ça compense le fait qu'en échange de mes services, les photographes me laissent une partie de leur livre que moi, je vends et que moi, je fais mon profit ou je fais mes revenus, si on peut dire, en vendant ma partie de livre. Et c'est quand même aussi intéressant. Parce que si quelqu'un travaillerait avec un éditeur normal, l'éditeur normal, il garde tous les livres et le photographe en reçoit 5. Donc, si le photographe il veut avoir une vision différente de sa carrière, donc organiser des expositions,
il vend lui-même ses livres et faire son propre profit et rentrer dans l'argent qu'il a dépensé, bien ça, c'est impossible pour lui parce que tous les livres ont été envoyés dans les librairies, tout ça. Et ça, c'est un peu compliqué quand on fait des tirages d'en bas de 500 copies. Si on envoie ça dans toutes les librairies du Québec, s'il n'y a pas une campagne de publicité qui va avec ça, bien, les 500 livres vont revenir à l'éditeur et 2-3 ans après, on va recevoir un coup de téléphone de l'éditeur qui va dire « Bon, bien, je vais envoyer tes livres au pilon parce qu'on ne les a pas vendus. Tu veux-tu les racheter? » Donc, le marché du livre n'est pas évident. Moi, je me suis développé. C'est une réalité que vivent beaucoup d'écrivains aussi. Hein? Aussi. J'ai des amis écrivains qui vivent effectivement cette réalité-là où, après un certain nombre d'années, il y a des livres qui ont été imprimés et puis qui se retrouvent carrément à la récupération. Oui, oui. C'est pas quelque chose qui est dit. Robert, si je peux me permettre de dire quelque chose pour ma part, moi, le fait d'avoir fait un livre chez toi, pour moi, ça a été vraiment une super bonne porte d'entrée pour moi. T'sais. Oui, oui, c'est le but des livres. C'est sûr qu'un photographe, il fera pas beaucoup d'argent avec un livre. Mais un livre, c'est une clé. Quand on a fait le premier livre de Pierre Delpé, là, il a envoyé ça, c'est un livre de 144 pages, très bien imprimé, des beaux textes, anglais, français. Il a envoyé ça pour le mois de la photo en Australie. Et il était le seul photographe canadien de sélectionner pour le mois de la photo en Australie. Ils l'ont invité là-bas pour donner un atelier. Il y a eu une exposition là-bas. Donc, lui, ça lui a ouvert des portes en Australie, au Liban, au Canada. Donc, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'assez important. Quand quelqu'un, un photographe, il met sur la table de quelqu'un d'une galerie ou d'un musée un livre de 88, 100, 140, 200 pages de son travail, la personne devant lui ne peut pas faire autrement que de le prendre au sérieux. C'est ça, le livre. Puis le livre nous permet aussi d'avoir comme une porte d'entrée pour faire une exposition, pour vendre des photos, pour donner des conférences, ça sert à ça. Puis toi, évidemment, tu es un bon exemple. Moi, je suis vraiment content d'avoir travaillé avec toi. Ouais, non, mais ça m'a vraiment ouvert des portes pour faire des expositions, puis pour développer mon marché ben, comme photographe. Là, ben, moi, mon objectif premier, c'est de m'ouvrir des portes en Chine, c'est exactement ce que ça m'a fait. Le plus drôle dans tout ça, c'est quand tu m'as montré la photo que je pense que c'était le délégué commercial à Montréal. Il y a comme cadeau à l'ancien ministre, premier ministre Couillard. Le cadeau qu'il a fait au premier ministre Couillard, c'était ton livre. Donc, c'est le consul de Chine à Montréal qui a donné mon livre en cadeau à Couillard. D'ailleurs, le consulat chinois à Montréal m'ont acheté comme 500 livres, tu te rappelles? Il m'avait acheté... Oui, oui, oui. 500 livres pour donner en cadeau. Donc tu sais, je trouvais ça tellement ironique qu'on n'avait pas été aidé par le gouvernement du Québec, mais que les Chinois à Montréal nous aidaient. Ouais. C'était j'ai trouvé ça ironique, puis j'ai bien aimé cette histoire-là. C'est quand même pas tout à fait étonnant, Robert, pour admettre. Ah, François nous montre un autre livre qui a été fait, autrement en photographie. Et ce livre-là, c'est un projet de Guy Lafontaine qui avait une idée d'expo et qui avait organisé ça à la salle. Et à un moment donné, j'ai dit, bien, ce que tu es en train de me parler comme idée d'expo, j'ai dit, ça ferait un livre extraordinaire. Et là, à un moment donné, on a eu le problème. Bien là, il y a 8 photographes. Qu'est-ce qu'on fait pour la couverture? Puis là, j'ai dit, bien, il n'y a pas de problème. On travaille en numérique. On va faire 8 couvertures. Donc, chaque photographe avait sa couverture. Et sur la couverture, on voit les noms des 8 photographes. Et le nom qui était écrit en gras,
c'était l'image du ou de la photographe. Et sur la tranche, l'épine, il y avait la même référence, il y avait le nom du photographe lié à la couverture. On voit même sur le côté droit de l'écran la grande locomotive. Mais ça c'est les usines où on bâtissait les trains. Et c'est une photo de Guy. Qui est avec nous ce soir, on le voit, Guy. Il peut dire bonjour. Bonjour, Guy. Bonjour, Guy. C'est un livre, c'est un projet qui est extrêmement intéressant, autrement en photographie, parce que c'était une autre approche que l'approche qu'on connaît aujourd'hui, numérique, très, très conventionnelle. Alors, c'est un livre dans lequel on retrouve la gomme bichromatée, on retrouve du sténopé pour Guy Glorieux, la photographie documentaire de Guy Lafontaine, et puis bon, j'oublie du monde, là, puis c'est important de nommer les 8 photographes. Et de toute façon, Guy Lafontaine ne pouvait pas m'en vouloir parce que quand il avait présenté le livre, je me rappelle très bien, il en avait oublié une. Mais c'est un superbe projet photographique et c'est vraiment un beau livre là, à avoir sous la main. Là. Le gros problème de ce livre-là, Robert, dans l'approche que vous avez choisie, c'était d'imposer un choix terrible à la personne qui achetait le livre, parce qu'il y avait 8 couvertures différentes. Ah, bien ça. Oui, bien, il y a un peu de stratégie là-dedans, parce qu'on pouvait, libre à l'acheteur d'acheter les 8 couvertures et d'avoir le bloc. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de blocs qui existent, des 8 livres. Sauf chez moi. Moi, j'en ai un. Mais en fait, au niveau de la mise en page, le défi, c'était d'avoir une mise en page unifiée. Donc, avec le graphiste Michel Bérard, ce qu'on a fait, c'est que toute la typo a été standardisée. La mise en place là, de la typo était identique. Et une fois que cette mise en place-là a été faite, Michel a pu l'appliquer à chacune des 8 versions. Et là, on a eu quelque chose qui se tenait très, très bien, puis qui était un produit aussi personnalisé pour chacun des 8 photographes. C'est un projet vraiment intéressant sur lequel j'ai travaillé pendant 2 ans. Et j'aimerais beaucoup faire autrement photographie 2. Et on a eu des discussions, Robert et moi, mais les planètes n'étaient pas alignées. Mais je pense que c'est un concept qui est intéressant à développer. Sûrement finir par. Elles vont certainement finir par s'aligner parce que vous connaissant bien tous les deux, je ne crois pas qu'on en soit au dernier projet. Là, pense qu'il y a beaucoup encore à venir. Oui. J'aimerais ça dire un mot sur Guy, parce que Guy aussi. On est amis depuis assez longtemps, ouais. mais Guy, comme organisateur d'événements photographiques, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Actuellement, à Toronto... Robert, je suis obligé de t'arrêter parce qu'il nous reste peu de temps, mais surtout parce que tu es en train de me voler mes punches parce que Guy Lafontaine est un de nos prochains invités. Oh! J'en parle pas trop. Mais on expose ensemble à Toronto, dans une exposition virtuelle qui devait être à la Lonsdale Gallery. C'est une expo qui devait être réelle, mais qui a dû se transformer en virtuel. Compte tenu du COVID. Eh oui. Mais combien qu'on a de temps encore? On arrive bientôt à la période de questions, Robert. Oui, mais juste avant, on peut-tu présenter un dernier livre avant de commencer la période de questions? Un petit peu. C'est le dernier livre qui va sortir bientôt chez Cayenne. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, Robert. Ah, ça, c'est un beau projet. Et j'ai viens de terminer aujourd'hui même la correction. Parce que quand on fait un livre en numérique, ce qui est intéressant, c'est que l'imprimerie nous fournit des copies. Elle nous fournit des copies qui ne sont pas finales. Donc, on reçoit 2 livres, un pour moi puis un pour le photographe. Et là, on peut regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On fait une dernière révision. Et dans ce cas-là, on est rendu à la 3e révision.
Et là, il va y avoir une copie numérique qui va sortir du livre. Et ça, c'est intéressant comme éditeur et comme photographe pour les corrections. C'est la première fois que les éditions Cayenne font le choix d'une édition numérique. Pardon? C'est la première fois. C'est le premier ouvrage. Ah, l'édition numérique, c'est pour nous. C'est un test. OK. Je ne suis pas encore rendu là. Parce que je ne sais pas si on dit vieille école mais le sentiment qu'on a quand on feuillette un livre, de regarder, de sentir le livre quand il est neuf, de regarder le design du livre, comment s'organise la page de droite et la page de gauche, comment tout le design est fait, le choix du papier, la qualité de l'impression, tout ça fait que c'est un mélange. Le livre que moi je fais, c'est plutôt dans le concept d'un objet, un objet à conserver. Robert, donc, je me permets un commentaire à cette étape-ci de l'entrevue. J'espère que vous allez garder cette direction-là. Je partage totalement ton opinion au niveau du livre. Puis, on sait très bien qu'en photographie, on voit beaucoup d'images via les réseaux sociaux, sur Internet, sur des écrans. C'est quelque chose qui est facile. Mais d'avoir un livre concret dans les mains, avec la reliure, avec sa facture comme telle, sa façon qu'il est construit, avec le feeling du papier, ce ne sera jamais la même chose, pour ma part. Oui, oui, je comprends. Puis de pouvoir arriver avec une édition comme Cayenne fait, avec des tirages qui sont parfois plus petits, avec une approche qui est plus personnalisée, d'autant plus, peut-être nous amène définitivement ailleurs et donne la possibilité d'une création qui n'est pas une création à grande échelle et qui est peut-être justement beaucoup plus, pour certains, dans certains cas, beaucoup plus intime au niveau de ce qu'on présente. Je pense que c'est ce que moi j'ai vécu et ce que François disait, effectivement, la publication d'un livre nous amène manifestement ailleurs. On a ici un petit exemple justement de plusieurs livres là, qui ont été édités là, aux éditions Cayenne. C'est les 15 premiers. Regardez, c'est pas pire. Je pense que je les ai pas mal tous, Robert. J'aurais peut-être une commande bientôt avec le livre de Jean Lauzon. Oui, Jean Lauzon, c'est une belle aventure. Jean Lauzon, comme vous le savez peut-être, a fondé un musée de la photographie à Drummondville. Et pendant 10 ans, il en était l'âme dirigeante et le directeur et l'administrateur, et il faisait tout. Et malheureusement pour lui, il y a eu des décisions politiques qui ont fait qu'il s'est fait évincer. Et c'était très, très difficile pour lui. Et là il est en train de se rebâtir. Il est en train de voir la vie différemment. Puis à un moment donné, il m'a contacté et il m'a dit, j'ai écrit beaucoup de textes sur la photo. Et j'aimerais ça les mettre ensemble dans un livre. Tu veux-tu embarquer avec moi? J'ai dit, ben c'est une excellente idée. Et on a travaillé depuis quelques mois. COVID aidant, ça lui a donné du temps pour regarder les textes, fouiller dans ses archives et tout ça. Et en quelques mois, on a réussi à faire un livre de 144 pages sur 25 photographes québécois. Et il a mis 3 autres textes aussi d'exposition qu'il avait réalisé au Musée Proclair de la photographie. Donc, ça fait un beau petit livre. Là, on voit des parties du livre. Et ça, c'est le final va être encore plus beau. C'est juste une copie test. Donc, imaginez le résultat pour quand on va sortir ça. Le livre devrait partir à l'imprimerie demain, j'espère, et on devrait avoir ça dans 2 semaines peut-être. Je m'en réserve un, Robert. Super. Robert, on a une courte période de questions, l'entrevue est terminée, puis on est déjà au bout de notre temps, mais une courte période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions à poser à Robert Hébert, c'est le moment. Allez-y. Soyez pas gênés.
Si vous voulez poser une question, juste unmuter en disant bon français votre micro et poser la question. C'est bon? Ça a été trop clair, Robert. Qui a une question, oui? Oui, je pourrais lancer une question pour Robert. Est-ce que tu ne pourrais nous parler des projets courants et puis peut-être un coup d'œil vers ce que tu envisages dans les années à venir pour Cayenne? Bien, le projet qu'on travaille beaucoup dessus actuellement, c'est le projet sur la COVID. On a tous été pris là-dedans. Et là, je me suis dit, on ne peut pas laisser passer un événement comme ça sans qu'il y ait une trace photographique. Et là, j'ai ramassé une vingtaine de photographes. Au final, il y en aura peut-être 25 qui se mettent ensemble. Et tous ensemble, on va financer un livre sur la COVID. Ça va être un livre probablement de 200 pages. Et il va y avoir toutes sortes de photos qui vont raconter un peu la genèse, comment est-ce qu'on a vécu ça. Donc, des photos qui vont montrer le vieux Montréal vide, tous les pancartes dans les magasins pour dire que c'était fermé, les gens qui portent les masques, les bâtiments avec avec les couleurs de l'arc-en-ciel, le personnel soignant, les acteurs politiques peut-être, les gens qui sont confinés dans leur maison vu de l'intérieur ou vu de l'extérieur. C'est un peu ça l'idée de présenter ça. Il va y avoir quelques textes qui vont supporter ça. Les photographes devraient aussi présenter un raccourci, pas un raccourci, mais un résumé de leur projet. Et plutôt que faire un pot pourri, ça va plutôt être des portfolios. Un peu comme dans le livre Autrement, chaque photographe aura sa partie à lui pour raconter son histoire. Voilà. Et ensuite, il y a toutes sortes de projets. Je vois André Boucher, on travaille depuis un certain nombre d'années sur un très beau livre sur ses années de photojournaliste qui y a des photos extraordinaires là-dedans. Donc, André travaille, on collabore ensemble et on essaie de finaliser le financement parce que le livre est conçu, le design est en train d'être fait ou il est terminé, ça on va en reparler. Et aussitôt qu'on a finalisé le financement, ça va s'en venir d'ici quelques mois. Il y a un autre gros projet d'expo puis de livre en chantier. On attend une subvention du Conseil des arts. Ça devrait être un projet assez important. Et il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, évidemment. Cette année, ça risque d'être une grosse année pour Cayenne. On va peut-être faire 4, 5, 6 ou même 7 livres. C'est une très, très grosse année. Mais ça, il y a toujours les aléas du marché du livre. Il y a des années qu'on en fait moins, puis il y a des années qu'on en fait plus. J'aimerais me rendre à une centaine de livres. Donc, ça, c'est le but ultime. Pour vraiment donner... Parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, les photographes connaissent Henri Cartier-Bresson, tout le monde a un Doisneau ou un Henri Cartier-Bresson dans sa bibliothèque, mais combien de photographes ont des livres de photographes québécois? Qui imprime les livres des photographes québécois? Les grandes maisons d'édition new-yorkaises ou parisiennes, ils n'impriment pas les livres des photographes québécois. Donc, moi, c'est un peu ça la mission de Cayenne, de mettre un peu de piquant dans le marché du livre photographique et de travailler avec les photographes pour réaliser leur rêve de livre photographique. Alors, tu es jeune, Robert, fait que tu as le temps de faire tes 100 livres de photos. Oui, c'est ça. Robert, un grand merci pour l'entrevue, pour ta présence des plus intéressantes et surtout un grand merci pour ta passion qui dure depuis
depuis au moins 30 ans, depuis que je te connais, mais je pense que ça a commencé un peu avant. Oui, j'avais 12 ans. Oui, toujours fascinant de parler avec Robert. Moi, ça me... La semaine prochaine, notre invité est Jacques Nadeau, bien connu comme photographe. Oui. Et puis, petite précision aussi, je serai moi-même en petite mission photographique personnelle. Alors, c'est Gaétan Cormier qui va prendre ma place la semaine prochaine. Fait que, j'imagine qu'il va bien faire ça, mais pas trop quand même. Parce que je vais le surveiller. Oui, il est à surveiller quand même. Là. C'est... Watch out! On vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne semaine. Puis à jeudi prochain. C'est très bien ce que vous faites, les gars. OK, merci. À la semaine prochaine. Bye-bye. Salut tout le monde. Bye.